Salut à tous les amis, c'est Learn to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour les nouvelles vidéos de Planetary Annihilation en mode solo sur la campagne galactique, enfin la guerre galactique. C'est une vidéo en mode panne de contenu pour demain. Je n'ai absolument plus de vidéos d'avance. Je n'ai absolument pas eu le temps de tourner cette semaine parce que je finissais. Déjà, il y a eu mon anniv, il y a eu le jour férié qui était pendant, qui était le 14. Donc voilà, je suis parti. Bref. Ensuite, j'ai repris le boulot. Je fais que des soirs. Donc là, il est 23h concrètement. Et j'ai plus de vidéos d'avance. Ce week-end, va falloir que je tourne à mort. Heureusement, je suis en repos. Va falloir que je voie Yanamu pour qu'on fasse du Beyonders. Enfin, voilà, plein de trucs. Et du coup, bon, là, ça ferait deux jours sans vidéo. Donc, je me suis dit, bon, en rentrant, allez, une petite vidéo de Planetary Annihilation pour se détendre après le travail. Ça risque d'être plutôt sympa. En plus, je viens de découvrir le commandeur orange qu'on se fera lors du prochain épisode. Pour l'instant, on va se contenter de cette personne-là. Bess dans cette planète et on est parti. Alors je crois que les spawns sur cette planète sont à chier. Il y en a un dans l'eau, un complètement dans l'eau, sachant que c'est un petit lac à la con, et un autre qui est au bord du lac, mais c'est à chier aussi parce qu'il n'y a pas de gisement. Donc voyons voir. Ouais, voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a un dans l'espèce de lac et l'autre au bord, mais il y a absolument zéro ressource, donc le plus viable c'est de se foutre ici dans l'eau. Et puis on va faire de l'aérien, hein. Écoutez, bon là ça sert à rien de faire du bateau. Ah putain, ils sont deux. Bon, on est deux aussi. Bon, je pense me faire une seule bataille durant cet épisode parce qu'en plus je suis crevé, donc je vais pas non plus abuser. Alors on va faire ça, ensuite on va faire ça, on va faire ça, et puis on va faire ça, puis on va faire... On va faire ça, puis on va faire ça, puis on va faire tech. Voilà, et on va partir rapidement sur du T2. Là on lance ça, et ensuite 3 constructeurs, ça devrait le faire. Faut qu'on les scoute, c'est le plus important. Comme je le dis à chaque fois. Tuk-tuk, donc ça c'est fait. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Deuxième scout. Mon pote, je sais absolument pas où il a spawn, il a spawn à côté. Ah bah putain, il y en a un juste ici. Et lui il va se prendre toutes les ressources et moi j'aurai que dalle. Ah, je suis dégoûté. Je pourrais peut-être partir sur Orbital, tiens, j'y pense. Ça pourrait être sympa, ouais. Donc voilà, là il faudrait qu'on se fasse les ressources au bord du lac. Voilà, sauf qu'ils sont là, évidemment. Comme si j'avais besoin de ça. Ah! Où ça? Ici. Ok, ils sont des deux côtés. Donc va falloir d'abord se faire l'autre. Celui là-bas. Pourquoi j'ai construit un constructeur? C'est pas grave. Donc là on va commencer à produire des troupes. Faudrait que je parte sur T2 rapidement. Allez, hop là. Hop. Est-ce que je pars sur l'orbital alors? Je ne sais pas. J'hésite. Allez, on va quand même en faire un petit peu, histoire de se marrer. Oui, du coup j'ai oublié, non c'est bon, là c'est bon. Ok. Voilà, au niveau de l'énergie, ça craint un peu, heureusement j'ai des stocks de gros porcs. Et en plus de... Ah putain, il m'a scout, le salaud. Ah, va falloir que je construise des défenses, mais j'ai tellement pas envie. Allez, va te faire voir. D'ailleurs, on va aller le faire chier. On va voir s'il a des constructeurs aériens. Putain, mais ils construisent à fond, les types. Oh, yes, il y a moyen. Il y a moyen d'aller le faire chier. Non. Ok, c'est bon. On lui a bousillé un constructeur, ça c'est fait. L'autre est là-bas. Ouais, va falloir faire super gaffe à lui. Ok, là on est parti. Tac, tac, tic, boum. On enchaîne. Toujours plus de production. Elle productionne des porcs. Voilà, donc là je continue à me faire des ressources. Bon, l'énergie c'est un petit peu craignos. Heureusement. Voilà, donc on commence à se faire une bonne petite armée. Voilà, tac, on va se faire 4 comme ça. 4 comme ça. Bon. Une fois que ce sera terminé ici, ce sera cool.
Et là on va partir faire du petit raid aérien, tranquillou, pépère. Ah l'énergie c'est... c'est catastrophe là. C'est la catastrophe. C'est la méga catastrophe. Dès que je parte sur du T2 rapidement pour avoir des... ouais ouais. Pour avoir une production satisfaisante, dégage. Et ils sont chiants à venir me scout. Ok. Bon, faut que j'aille les faire chier parce qu'ils sont... oh, il a construit un radar, le pote. Oh, bah, c'est bien ça. C'est parfaitement... c'est parfaitement génial. C'est parfaitement fa... parfaitement génial. On va se faire un peu plus d'énergie. Hein. Plus d'énergie parce que je vois que je vais... je vois que je vais manquer. Là, ils vont bientôt finir ça. Ok. Allez, l'orbital, on termine. Comme ça on va faire des robots de construction orbitale et on va en faire 5. Alors voilà, une fois que ça c'est fait, on va partir sur du T2. On va faire là. Voilà. Ok. Ok ok. Donc là, petit raid aérien pour aller le faire chier parce qu'il est très proche de la base de mon pote. Ça, ça me plaît pas du tout. Faut que je détruise ça. Donc là on va faire. Oh, j'ai absolument pas vu ce que je faisais. J'ai tout envoyé dans sa gueule. D'accord. Donc on va refaire une attaque. Ça l'a bien fait chier. On va passer par derrière cette fois, par l'entrée des artistes comme on dit. Hop là. Tactique boom. J'ai plus de bombardos. Ça craint. Ouais, là maintenant il va me falloir des bombardiers avancés, de la mort qui tue. La mort qui tue tout. Vous, vous allez... ah ouais, merde, ils sont déjà installés ici. Non, ça... ok, j'ai un premier robot de construction orbitale. Bah on va aller les faire chier, regardez. Regardez ce qu'on va faire, un petit encore juste là. Hop là. Croyez-moi, ça va vous faire plaisir. Hop, il me faudrait plus de bombardiers. Oh, au niveau de l'énergie, au niveau du métal, je suis parfaitement bien. Je viens de voir qu'ils m'ont bousillé mes constructeurs. Des espèces de... oh putain, ouais, bah ils savent, hein, ils savent les salauds. Ils savent, ils savent, ils savent. Du coup, je suis dans la merde. Parce qu'en plus, c'est con là, là. T'es vieux salaud, quoi. Ah tu vas voir, je vais aller les faire chier. Coucou. Ah ils ont fait des ombrellas les salauds. Ils sont où? Oh ils sont partis à... ouais non laisse tomber c'est mort. Bon va falloir intervenir ici. Toi tu vas aller aider ton pote. Ah ils m'ont bousillé ma T2 en plus forcément. Putain. Attendez, avant de construire ça, faites au moins 3 au moins 3 trucs là. Ouais, je sais que ça va la détruire encore. Voilà, ok. Toi, tu vas pouvoir faire hop, 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 hop. Et toi, tu vas pouvoir lancer la T2. Voilà, donc ici, on va aller le faire chez... bon, la petite encore, là, ça fait plaisir. Hop là, on va faire une autre encore. Et là, on est parti. Allez, on attaque le commandeur, on va pas... les bombardements, ça fait plaisir, j'ai absolument plus de bombardiers, c'est super. Ok, par contre, l'autre, il prend trop ses eyes. Il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire très très gaffe même. Ok, donc vous allez construire la T2. Ok, c'est pas mal ça. L'autre a déjà fait des ombrellas, donc ça craint un petit peu. Voyons voir. Ok, le commandeur se barre ici, c'est génial. Il a plus aucune défense. Ah là, c'est le bombardement de... ah, de l'amour là, là c'est littéralement... puis, ils font pas beaucoup de dégâts les bombardiers, j'ai l'impression. Bon, en même temps c'est un commandeur et... vous allez me dire donc bon.
Ok, l'autre on va aller le faire chier pareil. Attends, ouais, where is sa base? Ok, elle est par ici. On va aller mettre des encores là, là. Merde. Faut le buter, lui, faut le buter, littéralement. Ok, toi c'est fait. On va aller aider à construire la T2. Toi tu vas te... Toi pardon, tu vas te faire... Une usine orbitale. Du plaisir. Allez, défoncez-le. Oui, oui, c'est la victoire. Ok. Donc là, là, c'est parfait. On va... Ah putain, il a fait des ombrelles partout, le mec. On va en faire là. Il est en train de... Ouais, il est en train de faire mal un petit peu à l'autre, là. Ok, bon, c'est pas très grave. Faudrait que... Ouais, faudrait que je chope les ressources. Putain. Toi t'es gentil mais tu, il faut que t'ailles me choper ça là. J'ai trop besoin de lui voler les ressources là, ça veut rien dire. Produisez-moi la masse de constructeurs s'il vous plaît. Parce que... On va produire full Avenger. Ok, ça fait plaisir. Donc là on va faire... On va complètement lui barrer la route avec mes encores. Ah, par contre j'ai plus d'économie. Ah putain de bordel de merde, j'ai plus d'économie. Oui, j'ai peut-être un petit peu poussé là sur l'énergie, non? Oh putain, ici je vais venir me faire chier aussi. Non. Allez-vous-en. Ok. Donc là, oh, est-ce qu'il y aurait moyen... Yes, j'ai l'impression. On va lui pourrir son radar déjà. Voilà. Ça c'est fait. Lui pourrir son ombrella aussi. Est-ce que c'est possible? Allez lui pourrir son ombrella. Oh, j'ai pas d'économie quoi. Bon, toi arrête de construire parce que bon, littéralement. Et toi arrête de fonctionner aussi littéralement. Parce que j'ai plus d'écho là. Ok, bah le mec est à... Oh bah il m'a... Oh non, je suis deg. Ça avait plus de vie cette merde. Faut que j'aille péter ce truc là. Faut vite que j'aille péter ce truc. Bon, cette T2 c'est quand ça veut hein, parce que... Non, ça j'ai dit de... Arrêtez de produire. Ok, j'ai ma putain de T2. Allez. Allez ici. Toi tu vas... Ouais, ça sert à rien de construire une usine, j'en ai pas besoin. Comment ça se fait qu'il m'ait buté tout le monde? Ah, ils ont encore... Ah, ils ont construit une autre. Vite, faut que j'aille là. Ah, si je peux la détruire, ce serait fantastique. Ah, putain, je me suis fait niquer tous les gisements. Fuck des shit. Allez. Oui, c'est bon, je me casse maintenant. Bon, je suis l'éternel couillé dans l'histoire maintenant. On va essayer... Ouais, pff, il a toutes les ressources, là, ça craint. Il a toutes les ressources, les ressources. Merde. Ah mais j'avais fermé les en électricité, c'est pour ça que ça produisait rien. Flûte. Toi tu vas... Tu vas produire ici et là direct on est parti pour de l'énergie hein, à gogo là, à gogo l'énergie. Donc là voilà. On arrête ça et pff, on est parti. Allez hop, on va stopper ça. Il me faut beaucoup plus d'énergie. Ok, donc ça c'est fait. Oh bah le commandeur qui se met là, bah écoutez, c'est magnifique. Ah oui. Forces are under attack. Qu'est-ce que tu me dis? On va aller lui faire chier avec un raid aérien. Genre là. Là où il construit sa putain de tourelle. Détruis-la, crétin. Ah, juste avant quoi. On va reculer. Non, reculer les mecs, reculer.
Bon, il est con ce commandeur parce qu'il s'est foutu sous mes encores. Bah attendez, on va le rush. Et les gars là, allez plus vite. On va le rush. Hop là. Piou piou piou. Piou piou. Ça fait que dalle. On se casse. On se casse ici. On rassemble les troupes. On rassemble les troupes, chers amis. Allez, faites-moi de l'énergie là. J'ai besoin d'énergie là. Plus d'énergie. Pour plus de puissance. Voilà, ça c'est fait. Même pas eu besoin de T2 pour autre chose. C'est parfait. Hop là. On va faire beaucoup plus d'énergie, hein, littéralement. Ok, donc ça c'est fait. Il est où le commandeur? Ah, le commandeur tente de se barrer en mode incognito, comme si on l'avait pas vu. Sauf que nous l'avons vu, ce fumier. Cassez-vous! Ah, c'est chiant, ça se... S'il vous plaît, pétez-moi ça. Ah, vous pouvez pas, d'accord. C'est problématique, en effet. Alors là, par contre, niveau des ressources, ça craint. Je pense qu'au niveau de l'énergie, on finit ça et ensuite, voilà, on stoppe et voilà quoi. Hop. Hop. Hop, et voilà, on produit du métal à gogo parce que là ça va pas le faire sinon, hein. Hop là. D'ailleurs, ça le fait toujours pas. Bon, alors il est où l'autre? Il se cache où, le salaud? Attends, non, il est pas là. Est-ce qu'il est... Il est où? Il est là, il est là, il est là. Ok, c'est parti, on va la voir. Non, les bombardiers, pourquoi vous y allez en premier? Bon, toi du coup t'es toujours là. Ah, ils peuvent pas sortir de leur base, il y a des encores partout. Sauf s'ils faisaient... ouais. On va essayer de faire un encore juste là, là. Ah, le mec il est bien protégé. Hein. Donc, ici on va faire de quoi stocker de l'énergie, voilà. On va construire un putain de radar. Voilà, on va relancer la production. Ok, bon, 2 millions, je pense que ça suffit. On va juste finir de construire celui-là. Putain, ils sont à 3 sur un radar et ils mettent 100 ans, quoi. Ah, c'est normal. D'accord. Hop là. Voilà. Le beau petit radar. Donc, ceci étant fait, on va enfin pouvoir le finir. Tout ça pour ça, quoi. Même pas besoin des T2. Même pas besoin des T2, quoi. D'ailleurs, elles produisent plus rien, les T2. Ok, bon, j'ai l'armée royale, la Royal Air Force. Attention. Je vous annonce que vous êtes décédé. Victory, bitch. C'était sympa, c'était sympa, c'était sympa. Faut dire qu'en même temps, avec un allié... avec un allié, c'est quand même... ouais, c'est tellement worth it. C'est, ouais, 85% d'efficacité, pourtant. Eh, j'ai pas fait un truc supra génial. Return to war. Return to war. Donc ça, c'est fait explorer, voyons voir. Ah ah. Oh putain, il y a le bot complète tech. Et là, il y a le marine aussi. Est-ce que je les change éventuellement? Efficacité augmente la production de métal d'énergie de 25%. Stockage, méthode d'énergie. Ça, c'est quoi les structures d'énergie de tous les commandos? Stockage au 300%. Ah, est-ce que à la limite. Progression AirTech réduit le coût de construction de métal de toutes les unités de climatiseur mobile. Laquelle réduit le coût de construction. On va supprimer celle-là.
Et on va te donner votre celle-là. Ouais, je sais, hein, c'est votre complète, on est d'accord. Hein. Ça c'est sympa, ça c'est sympa. Donc on a Epsilon Perse. Bon, il reste plus que le bleu en fait et le orange. Donc le orange il est acculé, c'est-à-dire qu'on va le. On va le défoncer. Et le bleu en fait il lui reste. Bah, tout est à lui. Hein. Concrètement, tout est à lui. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a. Oh putain, c'est chiant dans ce système, c'est que des planètes avec de l'eau là. Elles sont un peu pourries les planètes. Ouais, bon, la prochaine fois je mettrai un énorme système. Vraiment un plus gros système histoire que il y ait plus de factions et que voilà. Pardon, excusez-moi, j'ai bougé le micro. Du coup, je sais plus si vous m'entendez correctement. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, 20 minutes. Ce sera plus court que d'habitude, certes. Ce sera un combat, mais voilà. Au moins, vous aurez quelque chose parce que là, je suis complètement décédé. Il faut que je me couche, en plus de bah, je commence tôt, donc voilà. Donc j'espère quand même que vous avez apprécié ce petit moment de détente. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures sur Planetary Annihilation. Allez, salut à tous et portez-vous bien, ciao ciao.